expliquer parce que j'ai toujours pas compris. En fait, quand je mange, après, mon ventre, c'est comme si il avait envie de boire. Mais moi, après, je ne sais pas s'il a envie de boire ou manger. Alors après, je dis j'ai faim. Mais après, en fait, c'est parce que j'ai soif. Alors, je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut manger et après boire. Oui. Et c'est tout ce que je voulais dire. Mais t'as dit que tu comprenais pas quand est-ce que t'avais faim, je sais pas quoi. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. En fait, quand je mange, je sais pas si mon ventre il a faim ou il a pas faim. D'accord. Ou il a soif. D'accord. S'il a faim ou s'il a soif. Ah. Alors je dois prendre. Alors je dis tout le temps j'ai faim. C'est d'accord. C'est pas parce que je suis gourmand. Ah. Mais en fait, alors. Ton ventre, il dit à ton cerveau, j'ai envie de quelque chose. Mais toi, tu sais pas de quoi il a envie. Alors après, je suis obligée de manger. Ah, t'es obligée de manger. Parce que je crois qu'il a envie de manger, mais en fait, il a envie de boire. Ah, d'accord. Et quand est-ce que tu t'aperçois qu'il a envie de boire? Jamais. Jamais? Ok, sauf quand je ne mange pas. Là, après, je m'aperçois que j'ai envie de boire. D'accord. Mais alors, tu sais pas quand est-ce que tu dois manger, quand est-ce que tu dois boire, c'est ça? Oui. Alors, ton ventre dit quelque chose à ton cerveau. Oui. Toi, tu sais pas ce qu'il dit à ton cerveau, mais il dit quelque chose, d'accord? Oui. Tu sais pas si c'est manger ou boire. Oui. Si t'as faim ou si t'as soif. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Eh ben, je mange et après je réfléchis. Après, je mange et je regarde si j'ai pas fini. Après, si j'ai pas fini, je bois. Ah, parce que si t'as pas fini de manger, ça veut dire que t'as pas faim. Ah oui. Et que tu dois boire. Mmh. Ah, ça marche comme ça dans ta tête? Oui. Ah, c'est compliqué. Parce que moi, mon cerveau, il dit à mon ventre, il dit à mon cerveau, t'as faim. Et il dit à mon cerveau, t'as soif. Et moi, je le comprends tout de suite parce que je connais très bien le langage de mon ventre. Moi je comprends pas. Et mon cerveau, il comprend tout de suite le langage de mon ventre. Mmh. Et il va falloir que tu apprivoises ton ventre. Hein. Mais comment? Je sais pas, apprends le langage du ventre. Fais la danse du ventre. Je sais pas moi. La marche du ventre. je sais pas. La nage du ventre. Je nage. Hein. Tu nages déjà? Bah oui. Tu sais nager? Bah oui, un an, avec les brassards là. Si, avec les brassards, oui, mais pas sans les brassards. Mais si, sans les brassards, tu sais nager. Ouais, aller chercher les bouteilles quand tu étais à la campagne, dans la rivière. Normal, la rivière, c'était pas beau, c'était... Elle était je y aller? Non, j'allais chercher les bouteilles où c'était pas profond. Alors j'allais? J'allais où c'était pas profond. Ah... D'accord. Et t'avais des brassards ou pas? Bah oui, mais... T'avais des brassards? Non. Oh, le menteur. T'avais des brassards ou pas? Non. Ah, d'accord. Et t'allais chercher les bouteilles? Oui. Et tu nageais? Oui, mais après, j'avais froid. Ah bah oui, t'avais froid, mais tu t'étais pas noyé. Non. Bah alors, tout va bien, tu sais nager. Sans les brassards. Oui, mais pas des grandes piscines, non. Ah bah oui, on te dit pas d'aller... Parce qu'à la piscine, je coule, hein. À la piscine, tu coules? Je coule, et après, toi, tu viens me chercher normal. Mais une heure après. Hein. Une heure après, t'es noyé, t'es mort. Bah oui. Et comment t'as fait pour survivre? Ah ça, j'en sais rien. Tu sais pas? Non. T'as des poumons amphibies? Non. T'as des poumons qui respirent l'eau? J'ai l'asthme. T'as l'asthme? Ah, peut-être que... L'asthme! C'est peut-être ça qui te sauve? Non. Mais si, c'est peut-être ça qui te sauve. Non, ça, c'est quand j'arrive pas à respirer. Eh ben, peut-être que justement, ça t'aide dans l'eau. Peut-être que t'arrives à respirer l'eau. Non. Non? Comment non? Ah, tu te noies. Moi, je viens te chercher une heure après, t'es mort, t'es noyé. Non. Et après, comment tu fais pour survivre? Je bois l'eau. Non. Je bois l'eau. Stop. Et après, ça va mettre moins d'eau. Tu t'appelles Jésus? Non. Tu meurs et après, tu revis? Mmh. Bah oui, parce que je te laisse une heure dans l'eau, t'es noyé, et après, je reviens et t'es vivant. C'est bizarre. Comment tu fais ça? On t'a enfermé dans un drap blanc? Non, mais même avec mes brassards, je sais. Tu sais plonger. Tu sais couler. Plonger. Tu sais plonger. Je sais. Et ça te fait pas flotter les brassards? Si. Ça bah, mais tu sais plonger, ça veut dire que tu vas au fond de l'eau. Bah oui. Avec les brassards.
qui te font flotter. Non. C'est-à-dire qu'en même temps, tu es au-dessus de l'eau, tu es à la surface d'eau. Non, je saute. Oui. Je saute dans l'eau et après, je vais un petit peu, une minute ou deux minutes, et après, je remonte en haut. 1 minute ou 2 minutes? À ton âge, avec tes petits poumons comme ça, t'arrives à rester 2 minutes sous l'eau. Bah oui. T'es fort, hein. T'es un champion, toi. Mais non, en fait... mais c'est quand je coule, après, je remonte tout de suite. Ah, c'est pas 1 ou 2 minutes, alors. C'est 1 ou 2 secondes, alors. Non, 1 minute. Hein. 1 minute? Hein? La caméra, elle est cassée! Tu manges quoi? Des pâtes. Des pâtes? Des patates? Non, des pâtes à la sauce tomate. Des pâtes à la sauce... C'est de la soupe de pâtes? Oui, de la sauce de pâtes. De la purée de pâtes? Oui, de la purée de pâtes. Et c'est bon, la purée de pâtes? C'est un plat qui est inventé par qui? Par Monsieur Papouni. C'est vrai? Et c'est bon? C'est excellent? T'adores ça? La purée de pâtes pour tous les enfants. Si vous voulez faire plaisir à vos enfants, faites de la purée de pâtes. Pourquoi? Parce que les enfants aiment la purée et les enfants aiment les pâtes. Alors, pour changer, pourquoi ne pas mélanger les deux? Faites de la purée de pâtes. C'est ça, non? Mm. Et c'est comment la purée de pâtes? Très bon. Ah, c'est comment c'est ex? Excellent. Oh, tu adores ça? Oui. Oh, tu en veux combien d'assiettes? Deux. Deux? Oh là là, t'es gourmand, hein? Et t'as, tout à l'heure, t'as dit que je suis pas gourmand. Une assiette. Une assiette à boire et une assiette à manger, c'est ça? Bon appétit! Merci! Non, dis bon appétit, les enfants. Bon appétit, les enfants. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, les YouTube, quoi. Au revoir, la purée à la fin. Non, les YouTube, quoi. Les YouTube caméra. Les YouTube caméras? Non, les YouTube spectateurs. Les YouTube spectateurs. Et les YouTubeurs. Et les YouTubeurs. À bientôt! À bientôt!